vous emmène golfer avec Sophie, la directrice du golf de Serincourt. On est le trou numéro 1 sur le trou numéro 1 qui a un par 4 en montée. Ouais, okay. Un petit peu bon, difficile au niveau de l'oxygénation, il faut bien s'oxygéner avant. En dehors de ça, aucune difficulté. Apparente, il fait. Allez, bonne partie, régale-toi. Alors, c'est parti un petit peu sur la droite. C'est bien, t'es bien placé. Là, en jeu, je serai à l'ombre. Ça tombe bien, de la météo. Allez hop, c'est parti. Allez. Voilà, c'est pour ça que je te disais qu'il fallait mieux viser vraiment la pointe du bunker, tu vois. Il faut être dans cet alignement-là, de préférence. Voilà, on est sur le deuxième coup pour moi. Ma balle est là, dans l'ombre, on est plutôt bien. Sophie juste là, et on a regardé au télémètre. 110 mètres du bunker. 110 mètres du bunker, moi je vais jouer pour 120 mètres. Partie à droite. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un bunker. Oui, je te l'avais pas dit effectivement. D'accord. Bon, ben voilà, c'est le piège de parcours. Voilà, et avec le vent aidant. Oui, oui, le vent aidant. Et voilà. Ah, j'ai pas fait attention au vent, c'est ça. Bon bah voilà, je serai dans le bunker. Pas du coup, comment jouer ça moi? Un petit fer 7. Ouais. Ouh, je t'ai rejoint. Elle est bien. Je t'ai rejoint. J'aime bien parce que comme je te disais, donc on est en montée, on atteint le plateau sur lequel se font la plupart de nos trous, tout compte fait. Hein. D'accord. Tu sais quoi, t'es presque mieux placé que moi. Ça c'est très difficile, je trouve, comme coup. Ouais. Je suis allé m'entraîner tout à l'heure. Oui. Ah bah là c'est très simple. Tu l'accueilles et tu l'emmènes. En compète, tu as le droit de le laisser. Moi, c'est la première fois que je vais le jouer avec le drapeau posé, si tu décides de faire ainsi. Oh, all right. Waouh, waouh. Voilà, oui, oui. T'es juste super bon en putting, quoi. Voilà, c'est juste ça. C'est un peu très timide. Bien. Bah, joli pocket. Allez. Juste magnifique. Juste rentrer. Magnifique. Ah, décidément. Ah. Voilà ce qu'il faut pas faire. Bunker. Et ben voilà, chacun son tour. Tu veux finir? Si tu le sens, tu finis. Tu la rentres là. Allez, ouais, bien joué. Voir très bien joué. T'as vu comme je suis pas. Je suis pas. Allez! Allez, mais rentre là. J'hésite. J'hésite à faire le par. C'est marrant, hein? Un 303 mètres des boules jaunes. T'as un petit dogleg sur la gauche.
Donc la difficulté, c'est d'être bien positionné avec, pour avoir la meilleure ouverture possible pour attaquer le green en deuxième coup. Oui. Voilà, en dehors de ça, je dirais qu'il faut effectivement que tu vises un peu sur la droite. D'accord. Ah oui, un tout petit peu sur la droite, arbres, voilà. Sur le piquet. Voilà, tu vises le piquet, voilà, c'est l'idéal d'attaque. Ben, c'est vachement bien de se faire guider. À toi. Elle n'est pas sortie du club. Elle n'est même pas passée le piquet. Je suis allé mettre où il ne fallait pas. Écoute, je suis d'une nature optimiste, tu vas très bien t'en sortir, ça va aller. Waouh. Alors, si j'ai bien compris, aligner pour le deuxième coup, en fait, c'est ça qu'il fallait faire. Probablement, oui, c'est un petit peu ça, oui. Ok. Allez, autoconviction. Ben voilà. Elle est passée. C'est bien. Plein... C'est bien. C'est approche putt là. Mais une approche putt sera en jeu. C'est exactement super. Ça. Ça c'est claqué. C'est un peu fort. Ah. C'est un peu fort. Tu crois que je la vois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La vois. Est-ce qu'elle est encore ou pas sur le bunker? On va aller voir. Le green. Alors il est encore bien défendu celui-là. Hein. Deuxième coup était plutôt pas mal, j'ai évité. Joli. Stop. Stop. Il n'y a pas de problème. Ouh. Stop. Oh. Est-ce qu'on se la donne? On peut se permettre de se donner des balles en amical. Bien joué. Trou numéro 4. Trou numéro 4, par 3, qui n'est pas très long, mais alors la difficulté, c'est effectivement le double plateau que tu vois là. Alors là, je dirais que tu as de la chance parce qu'on est sur le drapeau sur le premier plateau. C'est ça, le plateau du bas. Pour autant, ce que tu vois moins bien, tu vois des buts, et en dessous de ces buts, il y a deux bunkers de part et d'autre du green, là aussi. Il est bien défendu, il y en a un autre aussi dans la continuité, tu as trois bunkers en tout. C'est un petit par trois intéressant. Ah, tu vas nous montrer comment on l'aborde. Eh bien écoute, je vais tenter. Voilà. Elle part à gauche. Elle finira dans le bunker. En fait, tu aimes les bunkers. Enfin, tu nous le dis pas, mais. De cette façon, c'est aussi pour rendre le trou ludique. Ça c'est fait, d'accord. Un moi non, j'ai pas envie. C'est aussi ça. Elle revient. Un petit peu à droite à mon goût. Elle a passé la bon butte, le bunker, donc elle est sur le green. Allez. Écoute. Ça me va. Vu où se trouve ma balle, moi j'achète la tienne. Hein. T'es un tout petit peu en dehors du green, mais c'est pas évident. Un peu en descente, le fait d'avoir la montée, ouais. Là, j'ai pas osé rentrer dans le sable. Mais quand je l'ai vu passer, je me suis dit au moins j'étais sorti de oui, galère. Oui, là c'est bien. On fait ready golf, on joue. Dommage, hein. Alors, ben logiquement, je peux le garder, en fait. Ça peut m'aider. Oh, la barbe.
Je peux la finir ? Allez, je suis impatiente de la mettre dedans, d'entendre ce fameux bruit. Là, les fairways sont très jolis. Enfin, fairway green. J'aime bien, dans la majorité des vidéos, je remercie toujours les greenkeepers. Donc là, je ferai passer le mot par la direction. Bravo. Merci, merci pour eux. Il faudra leur dire. Effectivement. Je demande à ce que le mot soit passé. Il n'y a aucun problème, ça sera fait. Allez, je vais essayer de sortir un coup. Donc là, il y a un bunker juste devant. On le rentre face, il faut avoir l'ouverture à gauche. L'arbre qui commence à fleurir là-bas. C'est exactement ton point, voilà, le point que tu dois viser, c'est ça. D'accord. C'est bien. C'est bien. L'alignement n'est pas parti de mon cœur. Ok. C'est parfait. Allez. C'est de ces trous-là qu'on voit la tour Eiffel, tu vois. Je t'ai parlé tout à l'heure de la tour Eiffel. Waouh. Ok. Oh, très belle balle. Ça va. Qui roule. Quelqu'un qui joue pas beaucoup. Donc c'est plus que... C'est à la fois l'ouverture et la distance. J'espère qu'elle n'est pas trop allée à droite en revanche. Ah oui? Bah oui. Parce qu'il y a, il y a encore quelques arbres en frange qui sont pas sympas. D'accord. Qui sont difficiles. Mais sinon, oui, ça me va bien. Plutôt belle. Ça me va. Ah ah ah! C'est bunker ça. Ouf! Ah non, ça va, ça me plaît. Avant bunker, ça veut dire. Oui. Oui. Il est défendu. Il est défendu. Ok. Donc, trajectoire particulière ou autre. Ah, elle tourne un peu. Bunker. Moi, j'ai rien dit. De mon coup. Ah oui, je suis. Il y avait un vent contre, tu sais. Vent contre. Mais oui, vent contre. Eh oui. Tiens, on n'a pas pensé partie. À ça. Ouais. Rencontre. Alors, c'est bien ça. Sophie devant le bunker. C'est joli ça. C'est très très bien fait. Ah, il reste 2,50 m derrière, mais c'était très joliment fait. Merci. Bravo. Et moi. Je n'ai pas osé. Bon, t'as pas le choix de la rentrer là, Stani. Ouais. Allez, ça rentre. Allez. Yes, voilà. Ça c'est beau. C'est bien ça. Oh, t'as vu comment elle a dévié? Parce que je l'ai pas mis avec conviction. C'est tout. C'est ça manque de conviction. C'est ça, c'est dommage. Bon allez, prochain, on se fait un par. Allez. Tous les deux. Ça suffit. C'est un par 4. Par 4, d'accord. Tout à fait. Et on est des repères jaunes à 301 mètres du green. En revanche, effectivement, toujours pareil, la même histoire, effectivement. Un beau bunker qui défend le green. Il n'y a pas que celui-ci, il y en a un latéral aussi. Donc comme je te disais, effectivement, c'est un de mes trous fétiche, oui, parce qu'il y a un bosquet d'arbres que je vais te montrer tout à l'heure, ouais. Qui est splendissime. Allez, en l'honneur du... Normalement, mes drives, c'était au moins jouable.
Joli. Ah oui, mais à droite, droite. Alors à droite, oui. Ah oui, sacrément. Tu vois le bosquet dont je te parlais, c'est celui-là à gauche. Okay. Qui est beau en toute saison. En toute saison. Il passe de vert à jaune doré. C'est splendissime. Ça me donnera un angle. Pas pour que ça va se donner. Allez, je vais en faire 5 en main. Allez. Ça, ça va. Ok. C'est fair, ouais. D'accord. Alors, c'est encore loin, hein. C'est encore loin. Elle a fait un beau bruit. Mais j'ai donné un coup d'épaule. Ah, oui. J'ai donné un bon coup d'épaule. Et moi, je dirais qu'elle est allée, comme de toute façon, tous les grilles sont défendues, elle doit être dans le bunker. Ah, c'est sympa, Stanny. J'espère que tu te trompes. Allez, pitch pot, qu'est-ce que t'en penses? Oh, dommage. C'est un pitch? Ben, elle était belle, oui, c'est au pitch. Très beau. Mais Alors, c'était peut-être sandwich, tout compte fait. Excuse-moi. Ah, j'ai pas osé. Joli. Ah, il lui manque le petit oui, supplément mais d'âme. C'est court, c'est court. Je peux avancer ou non? Je peux pas. Oui, je peux jouer? Oui, oui, oui. Wouhou, right. Ouh, je suis au bout du monde. J'allais terminer. Vas-y, vas-y. Hop là. J'ai adopté la règle, celui qui est prêt joue. Celui qui est prêt joue. Bien. Au moins ça. Alors tu vas me faire une belle balle, je t'explique. On va faire une belle balle. Alors, fantastique, bon à droite. Oh. Ouais. Let's go. Ça, c'est bien. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un bois de parcours, ouais. Contrairement à toi. Donc, offert. Donc j'ai pas le choix en fait, non? Ai-je le choix? Elle a claqué. Elle a fait un superbe bruit. À gauche sur le fairway. Courte. Ça c'est joliment dosé. Mais long, 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 trop long. Ah, ça serait. Merci. C'est bien ça. C'est en montée. La difficulté de ce green, c'est qu'il est en montée.
Ça a l'air de rien, mais ça change la donne. T'es pas dedans? Bon alors, j'étais habituée à mieux, hein. Tu me fais des grands... Je mets la pression tout seul, en me disant que ça va faire deux parts. Raté. Bon. Allez, on enchaîne. 8 et 9. Par 3, numéro 8, trou numéro 8 du Golfe de Senancourt, qui est lui aussi bien défendu. Donc sans l'air de rien, t'as des bunkers devant. Joli. Très joli. Bravo. Bien joué. Merci. Avec plaisir. Jolie. Elle passe. Deux balles sur le green. Ça, c'est bien. Ça me plaît. Ça me plaît. Oula. Stop. J'ai eu peur quand j'ai entendu oula. Je sais pas, je la voyais beaucoup plus loin. C'est un joli part. Allez, ça rentre. Je te laisse le drapeau, comme le veut les nouvelles règles. Mais c'est bien quand même. C'est fait, deux jolis parts. Exact. Avec deux beaux départs, deux beaux putts. Eh ben, je suis ravi. On va clôturer cette allée. Ça a été un vrai, vrai, vrai bonheur. Allez, trou numéro 9. Un petit par 5, on va dire. Départ des jaunes, 448 mètres. Ouais. Petit dogleg sur la gauche. Okay. Si j'étais toi, par mesure de prudence, il vaut mieux viser le bunker ou dans ce... Voilà, au-delà du bunker, dans d'accord. Cette... Tu vois le forcicia jaune derrière? Oui. Voilà. Pour viser... Ça, ah, parce que ça va rouler. Ça roule. Elle a passé le bunker, elle a pris le rebond. C'est pas mal. T'as ouais. Une jolie vision quand même de l'arrivée du... Parce que là, on voit pas le green. Ben non. Donc tu vas avoir une belle vision du green, okay. Là. Bon, ben, ça me va. Tu le rateras pas. Un peu basse à mon goût, un peu basse, un peu bunker dans l'esprit. Non, elle a passé le bunker. Oui. Et elle a pris, après, regarde, elle continue à rouler, on la voit. T'as vu comme ça roule? Ça roule un peu, hein. Ah, mais joli. Ben moi je te remercie parce que grâce à toi, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un 9 trous, je t'avoue. Ben voilà. Alors si tu merci veux, à toi. Tous les vendredis après-midi. Voilà. Inspection du terrain. Inspection, mais ça me paraît le minimum quand ben, même. Hein. Ça, oui. Bon, pas, hein, on peut faire une fois dans la centre. Non, ouais, non c'est du travail. Très très belle balle, Sophie. Merci à toi. Et deux balles sur terre, donc tu m'as dit un par 5. Oui. Les batteries. Et en fait, là, j'ai laissé tourner plus que de raison. Mais je me dis qu'il faut quand même la pousser. Oh, oh, oh. Tu t'es vu ou pas? Je me suis vu. Tu vas voir, c'est bien. C'est bien aussi. Mais écoute, oui, je vais terminer par un bunker. Voilà, hein, voilà allez, c'est dit. Oh, c'est bien fait ça. Ouf. C'est très bien fait. Vas-y, vas-y. Bon, ça va être bien. Bon, je vois pas autre chose que de rentrer ton putt là. Hein. Allez. Un petit putt en montée. Je vais rentrer le putt. T'as raison, c'est un beau défi. Ah mais je me plains pas, voilà le putt pour terminer cette allée, pour terminer cette superbe partie. Hop, on va aller se faire un 19e réglementaire, enfin un 10e réglementaire. Et puis j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous à regarder cette vidéo, que nous en avons eu à jouer ce parcours.
Et puis à très bientôt sur la chaîne Je vous emmène golfer et surtout au golf de Serincourt. À très bientôt les amis.